Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec Printful et comment les débutants complets peuvent gagner entre 100 et 300 euros par jour avec cette méthode. Je vous en dis plus après l'intro. Chut. Avant de commencer les amis, sachez qu'il me reste quelques places pour le workshop de cette semaine. Un workshop totalement gratuit qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne. Donc cliquez maintenant sur le premier lien dans la description. En notamment ce gamin de 16 ans qui est passé de 0 à 10 000 euros par mois en seulement 90 jours. Je vous en dis plus dans la formation. Donc, sans plus attendre, lançons-nous dans le sujet du jour, Printful. Printful, c'est quoi? Printful, c'est tout simplement une entreprise de print on demand. Le print on demand, j'en ai déjà parlé quelques fois sur la chaîne. C'est tout simplement une technique qui vous permet d'imprimer des designs sur des t-shirts, mais vous n'allez pas le faire vous-même. Une autre entreprise le fait à votre place, s'occupe de la confection du produit, de la livraison au client. Et donc ça, c'est vraiment excellent. Tout ce dont vous avez besoin de faire parfois, et notamment avec Printful, c'est de vous occuper du marketing, c'est-à-dire d'avoir par exemple une boutique Shopify, d'ouvrir une boutique Shopify, de la lier avec Printful et ensuite faire en sorte d'attirer du trafic sur cette boutique Shopify afin de pouvoir vendre vos produits de print on demand. Moi, j'aime beaucoup le print on demand pour plusieurs raisons. Parfois, avec certaines plateformes comme Redbubble, vous n'avez pas besoin de vous occuper du marketing parce qu'ils font déjà le marketing à votre place. Si vous avez de bons designs qui intéressent les gens, et je vous ai montré dans plusieurs vidéos comment chercher des designs, comment faire votre recherche de marché, eh bien, dans ce cas-là, vous allez pouvoir facilement marketer. Mais avec des plateformes comme Printful, c'est un peu plus compliqué parce que ce genre de plateforme, en fait, c'est du print on demand, mais vraiment concentré sur l'effet de marque. Donc, les gens qui créent tout simplement une boutique Shopify qui la lie à Printful sont avant tout intéressés par l'effet de marque. Ils ont une marque et ils veulent agrandir cette marque grâce au print on demand. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, vous n'aurez pas besoin d'avoir du stock. Vous allez simplement vous occuper du marketing et je vais vous montrer dans cette vidéo comment le faire. Vous occupez du marketing, vous faites en sorte qu'il y ait du trafic sur votre boutique Shopify et ensuite, Printful s'occupe de la confection et de l'envoi du produit, de la livraison. Donc, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec le stock, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec la livraison. Vous avez simplement besoin de vous occuper du marketing. Et je vais vous montrer ici sur mon écran que j'ai préparé comment fonctionne Printful, comment l'utiliser, comment le syncer avec Shopify et bien d'autres choses. Donc, restez bien avec moi dans cette vidéo. Voilà les amis, nous sommes sur Shopify. Shopify, c'est la boutique que vous allez pouvoir utiliser tout simplement afin de lancer votre boutique de e-commerce et de là tout simplement de la syncer avec Printful qui se situe ici. Donc Printful ici, vendez des produits personnalisés en ligne avec Printful, transformez vos idées en produits premium et boostez votre marque de e-commerce. Donc imaginez que tout simplement vous vendez plusieurs produits. Vous vendez par exemple cette casquette, vous allez simplement mettre votre logo. Vous vendez ici ce sac à dos, vous allez mettre votre logo. Vous vendez un pull, vous allez mettre votre logo. Donc vous voyez ici, l'avantage c'est vraiment, vous n'avez pas besoin d'avoir une usine textile, vous n'avez pas besoin de vous occuper de la confection, vous n'avez pas besoin de vous occuper de la livraison. Tout cela est pris en compte, est pris en charge par Printful. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il vous suffira simplement de cliquer sur « C'est parti ». Et vous allez pouvoir créer un compte avec Printful. Donc, comme vous pouvez le voir ici, Printful travaille avec de très grosses entreprises, que ce soit Coca-Cola, CBS, etc. Là, vous allez pouvoir choisir un partenaire de Print on Demand comme Shopify. Donc, bien évidemment, Printful va vous permettre de travailler tranquillement depuis chez vous, directement depuis votre laptop et de pouvoir vendre à l'international et gagner de l'argent depuis votre maison. Vous voyez ici qu'il y a un tas de choses à vendre. Vous allez pouvoir vendre des suites à capuche, des sacs, des brassières. Bref, un tas de choses qui vont pouvoir intéresser vos clients. Regardez, Printful en chiffres, 1 million d'articles, plus d'1 million d'articles traités chaque mois.
60 000 articles imprimés en toute confiance et 337 produits différents à personnaliser. Et là, ils vous permettent même de savoir quel est le bénéfice que vous allez pouvoir faire annuellement en vendant des produits. Donc ça, c'est vraiment excellent. Maintenant, vous allez vous poser la question, ok, quel genre de design j'ai envie de réaliser, quel genre de logo j'ai envie de réaliser. Pour ça, on va utiliser deux plateformes principales qui vont être AliExpress et Pinterest. Je vous montre ici sur mon écran comment ça fonctionne. On va récupérer des idées tout simplement sur AliExpress et Pinterest. Si par exemple, on veut se spécialiser sur les t-shirts, il nous suffira simplement d'aller sur AliExpress. Il suffira simplement d'aller sur AliExpress, de taper par exemple t-shirt et de voir quels sont les t-shirts qui sont le plus vendus. Vous allez cliquer ici sur commande. Vous cliquez sur commande et vous allez voir quel genre de t-shirts sont le plus vendus. Voyons voir par exemple ce genre de t-shirt qui contient par exemple un éléphant, un requin, un crocodile, etc. Donc pourquoi pas tout simplement reprendre des concepts qui marchent déjà sur d'autres plateformes comme AliExpress. Donc là on a vu que par exemple beaucoup de t-shirts qui marchaient bien, ce sont des t-shirts avec des broderies d'animaux dessus. Donc pourquoi pas créer un logo de crocodile, créer un logo de requin, faire un tas de choses différentes. Attention à ne pas copier des grosses marques, bien évidemment. Soyez vraiment original pour éviter tout problème de copywriting. Mais vous avez compris le concept. On utilise des grosses plateformes comme AliExpress. On regarde qu'est-ce qui marche déjà dessus. Et ensuite, on va pouvoir prendre des idées pour des logos pour notre propre marque de e-commerce. On va pouvoir utiliser également Pinterest. Si on va sur Pinterest et qu'on tape, par exemple, t-shirt ici. Je vais sur Pinterest et je tape t-shirt. Et j'ai tout simplement des logos qui apparaissent, des shorts, des choses qui apparaissent. Donc par exemple, ce logo, il faudra faire attention de ne pas l'utiliser. C'est le logo de Hello Kitty, par exemple la marque Hello Kitty. Mais on peut prendre certaines idées. Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui marche moins bien? Donc, la recherche tout simplement d'idées va se faire sur AliExpress et tout simplement AliExpress et Pinterest. Maintenant, une autre question qu'on va se poser, c'est comment on va apporter du trafic sur notre boutique Shopify. Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure, Printful, on va tout simplement le connecter à Shopify afin que chaque fois qu'une personne achète sur notre boutique Shopify, Printful soit notifié, ensuite fait son print on demand, conçoit le produit, l'envoie à notre client partout dans le monde. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, on va se poser la question, comment s'occuper du marketing, comment attirer du trafic vers notre boutique e-commerce Shopify. Donc, vous avez une technique, par exemple, utiliser la publicité Facebook Ads ou Google Ads ou encore TikTok Ads. Vous allez pouvoir utiliser la publicité payante, mais vous allez pouvoir utiliser également la publicité gratuite. Si vous avez déjà une présence sur les réseaux sociaux, par exemple YouTube, Instagram, si vous avez une chaîne YouTube qui traite, par exemple, des chats, ça peut être possible. Vous allez pouvoir directement faire la publicité d'une manière gratuite sur votre chaîne YouTube ou votre compte Instagram. Maintenant, si vous n'avez pas de présence sur les réseaux sociaux et vous voulez faire quand même de l'organique, donc de la publicité gratuite, nous allons pouvoir passer par ce qu'on appelle tout simplement les influenceurs, l'influencing marketing. Je vais vous montrer une technique d'influencing marketing qui ne marche pas beaucoup sur YouTube, par exemple. Il nous suffit simplement d'aller sur YouTube et de taper, par exemple, si on a une marque en rapport avec les chats, de taper 4 tips et on voit qu'il y a carrément des créateurs YouTube qui sont spécialisés sur l'univers des chats. Regardons par exemple, Jackson Galaxy, il a quasiment 2 millions d'abonnés, il a uploadé 703 vidéos, donc il y a un tas de personnes qui regardent la chaîne de Jackson Galaxy afin d'avoir des conseils concernant les chats. Vous pouvez facilement rentrer en contact avec ce genre de créateurs YouTube et leur dire « Voilà, continuez à faire des vidéos de bonne qualité, je suis fan de votre chaîne. Moi, j'ai tout simplement un site de e-commerce qui vend une marque basée sur les chats, j'ai un logo de chat, etc. Est-ce que vous serez intéressé pour faire tout simplement
de la promotion de mes produits et je vous file par exemple 50% du profit. Donc ça vous donne l'opportunité de faire du marketing gratuit. S'ils vendent les produits, très bien. S'ils ne vendent pas les produits, eh bien tant pis, vous n'êtes pas perdant parce qu'il pourra gagner de l'argent et faire du profit seulement s'il vend des produits grâce à son marketing. Donc ça, ce qu'on appelle l'influencing marketing, va vous permettre tout simplement de déléguer le marketing à une autre personne et vous filez tout simplement 50% des profits à cette personne. Donc ça, c'est une excellente technique. Et donc, n'oubliez pas, pour que Printful soit vraiment intéressant pour vous, vous allez tout simplement en premier lancer une boutique Shopify. Ici, vous allez pouvoir démarrer un essai gratuit, lancer votre boutique Shopify, faire de la publicité, comme je vous l'ai dit, grâce à l'influencing marketing et YouTube, et rechercher des idées sur des plateformes comme AliExpress ou encore Pinterest. Voilà les amis, je vous ai montré au cours de cette vidéo comment gagner de l'argent avec Printful. Vous allez pouvoir faire un tas de profits. Et si vous suivez tout simplement les étapes de cette vidéo, je suis sûr que vous allez réussir. En attendant, si vous voulez un moyen encore plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne, eh bien, cliquez simplement sur le premier lien dans la description qui va vous donner accès à un workshop 100% gratuit. N'oubliez pas également de liker cette vidéo, de commenter juste en dessous ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez d'autres idées. Voilà, ça aide beaucoup l'algorithme YouTube à faire en sorte de pousser la vidéo à plus de personnes. Également, partagez la vidéo tout simplement avec une personne de votre entourage ou vos amis qui veulent se lancer dans le e-commerce. Également, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, regardez également cette vidéo juste ici, et je vous dis à très bientôt. Ciao.